Bonjour à tous. Alors voici la suite inattendue de Road to Branquignoles. Pour commencer, un petit message adressé fraternellement à notre ami Colère est-il. Donc ça, c'est la pression. Et voilà ce que j'en fais, moi, de la pression. Donc, alors, petit secret, c'était une bière sans alcool, bien sûr. Non, plus sérieusement, c'était un message assez intéressant, bon, celui de colère, mais aussi celui posté par Raspou avec la vidéo du streamer Gotham Chess, Livy Roseman, un maître international. C'est un sujet très intéressant, mais bon, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Je ferai peut-être un petit bilan à la fin de l'été, parce que là, je vais avoir plusieurs tournois. On va voir comment ça se passe. Je suis quelqu'un d'assez nerveux et je ressens beaucoup de pression quand je joue aux échecs, vous savez. Enfin, quand c'est des compétitions sérieuses, en tout cas. Donc, on va voir. Il se peut que ça se passe pas très bien, ou alors ça ira et j'arriverai à gérer. On verra bien. Et en plus, histoire d'en remettre une petite couche, je vous fais profiter quasiment en direct du début de mon été compétitif. Ça faisait 4 mois que j'ai pas joué aux échecs, en partie réelle. Et donc j'ai un tournoi open là près de là où j'habite. Et c'était la première ronde aujourd'hui. Alors sans préambule, on va regarder la partie, un peu à la manière de Joachim Mouhamad ou de ses acolytes. Je vous promets pas de shadowboxing. C'est pas trop mon. Je suis un peu vieux pour ça. Mais on va voir. C'est une impro totale. J'ai rien préparé, j'ai rien analysé. Je vais vous montrer la partie telle que je l'ai vécue. Alors j'avais les blancs. J'avais un adversaire classé un peu plus de 1500 Elo. J'ai eu les appariements 1 heure avant le début de la ronde. Hein, donc bon, déjà, je n'allais pas me préparer pour lui. Mais le bon plan, c'est que lui ne s'était sûrement pas préparé. Un joueur de 1500 Elo qui avait un peu plus de 60 ans. C'est un détail qui peut avoir son importance, parce qu'un joueur de 1500 Elo qui a 11 ans, ça peut être beaucoup plus dangereux, mais là, normalement, j'étais pas trop inquiet. J'ai ouvert par E4, comme d'habitude, et il m'a joué B6. Donc c'est la défense Owen, si je ne me trompe pas, que je ne connais pas très bien. Franchement, je ne sais pas trop. Bon, à part le développement que je vais faire, donc je prends le centre. Il joue fou B7, logique. Je défends avec le fou. Je préfère ça plutôt que donner tout de suite la case de mon cavalier. On verra plus tard. Il a enchaîné par E6. Alors j'ai la feuille de partie devant moi, donc c'est pour ça que je regarde. Ok. Bon, j'ai joué les premiers coups un peu par inertie, enfin en vérifiant qu'il n'y avait pas de problème. Qui n'avait pas d'idée tactique, qui allait me surprendre. J'imaginais que ça allait transposer un peu dans une structure française avec un D5 plus tard. Bon. Je me développe. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Cavalier C6, alors c'était un coup un peu bizarre. Je me suis dit, du coup, il bloque son pion C. Il ne pourra pas trop mettre la pression sur mon centre. C'était plutôt une bonne nouvelle. J'ai failli roquer, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas trop plu. Et j'ai joué finalement. Qu'est-ce que j'ai joué? Non, en fait, je vais d'abord vous montrer ce qui se passe si j'avais roqué. Donc, mon idée c'était de jouer roque rapidement. Je jouais les premiers coups un peu en pilote automatique. Et là, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise surprise, c'était cavalier B4. Il menace d'échanger ce cavalier contre mon fou. Le fou de case blanche, j'ai pas forcément envie de l'échanger alors qu'on va peut-être avoir une structure française. Donc, ce fou sera le bon fou de la structure. Vous voyez, quand j'aurai poussé plus tard E5, ce fou aura des idées d'attaque. Là, le problème, c'est que je ne peux pas l'enlever s'il joue fou C4 ou fou E2. Voilà, fou prend E4. Ok. Donc, il échangeait son cavalier contre mon fou. Ce n'était pas la fin de la partie. Hein. Il y avait encore beaucoup à jouer et j'étais sûrement pas moins bien. Mais on n'a pas trop envie d'autoriser ce genre de choses. Donc, je reprends. Après cavalier C6, j'ai joué C3. Qui
coupe les oreilles du cavalier. Hein. C'est l'autre mérite de ce fou, de ce coup, pas seulement d'empêcher qu'il ait des D4. Bon, j'ai hésité avec A3 pour garder la case de C3 pour le cavalier, mais bon, finalement, C3 m'a paru tout à fait normal. Et il enchaîne par cavalier GE7. Bon. Cavalier GE7, je ne sais pas trop ce qu'il veut jouer. Peut-être il va jouer D5 ou il va jouer F5, mais dans les deux cas, ça ne m'inquiétait pas trop. Parce que s'il joue F5, alors là j'ai joué Rock. Si jamais il joue F5, bon bah j'aurais sûrement pris. Et il s'est un peu affaibli en fait son futur Rock. Par exemple, bon, s'il reprend, je peux même à un moment donné envisager d'échanger mon fou. Et il est un peu affaibli. C'est une position pas trop mal. C'était pas logique qu'il fasse ça. Hein. Non, après Rock, il a joué plus sagement cavalier G6. Ok, mais c'est un développement un peu lent. Son cavalier n'a pas de case. Enfin, si, il aurait la case H4, mais bon, c'est pas encore terrible. Il met aucune pression sur mon centre. Franchement, la position était vraiment bien. Je dois sûrement avoir un bon avantage. Sans avoir rien fait d'extraordinaire. Enfin, tout reste encore à faire, en tout cas. Là, je me suis développé tranquillement par fou E3. Il a joué D6, intéressant. Alors, je me disais, s'il joue cavalier H4, donc pour échanger un peu des pièces, j'aurais sûrement joué cavalier D2. Et au prochain, je vais échanger, et je ramènerai l'autre cavalier en F3. Ok, on a échangé une pièce, mais j'ai toujours une petite avance de développement, j'ai le centre, j'ai le contrôle. Ça m'allait bien. Donc il joue D6, je trouvais ça intéressant, parce qu'il dit pas encore ce qu'il va faire au centre. Peut-être qu'il va pousser E5, ce qui ne m'aurait pas dérangé. Peut-être qu'un jour, il poussera quand même D5, en ayant perdu un temps, ça dépend un peu. Il reste souple. Mais bon, c'est sûr que j'ai l'espace, j'ai le contrôle du centre. Bon, j'étais tout à fait content. J'ai juste continué mon développement par cavalier D2. Et il joue fou E7. Lui aussi, il s'apprête à roquer. En même temps, il me laisse encore un peu le doute. D'ailleurs, on a parlé après la partie, et il me disait que son idée, c'était d'un peu voir ce qui allait se passer, et ensuite placer son roi en conséquence. Donc il se réservait l'option encore de faire grand roque. Pourquoi pas? Et d'attaquer sauvagement les rois avec du H5, H4. Voilà. Et là, c'est ma première réflexion. J'avais déjà perdu quelques minutes. Il me restait... Enfin, j'avais dépensé un peu moins de 10 minutes. Et lui, il avait dépensé 7 minutes. Donc... C'est encore le tout début de partie. Mais là, c'est ma première réflexion un peu plus longue. Bon, juste 6 minutes. Je ne sais pas trop quoi faire. J'ai quasiment fini le développement. Est-ce que je joue standard, peut-être tour E1, cavalier F1, cavalier G3, quelque chose comme ça. Est-ce que je joue dame E2 pour lier les tours, bon. Finalement, j'ai décidé B4, une petite expansion à l'aile dame. On va voir ce qu'il fait, on va voir comment il réagit, parce que faut pas oublier qu'il est un petit retard, donc j'ai peut-être le temps de m'organiser, de commencer à monter ma position pendant qu'il finit son développement. Donc évidemment, je peux avoir des idées de pousser B5 à un moment donné, chasser son cavalier, et fixer un peu son aile dame. Et là, alors il a joué H6, on va en parler tout de suite. Je me disais qu'il pourrait peut-être jouer A5, c'était le coup auquel je m'attendais, une réaction à peu près normale, pour un peu mettre la pression, me demander ce que je veux faire. Il m'a dit après coup qu'il avait renoncé à ça parce qu'il voulait toujours se garder l'option de faire grand roque. Et pousser le pion A, c'était pas forcément le mieux. Mais bon, sur A5, j'aurais probablement poussé B5, enfin, j'avais aussi l'option d'attendre un peu, de jouer A3, c'était pas mal. Mais j'aurais probablement poussé B5, chassé son cavalier, qui serait reparti en B8, je vois pas vraiment d'autres cases, hein. A7 c'est pas très beau. Et... Alors, l'aile dame est un petit peu bloquée, c'est le mauvais côté de ça, mais bon, j'ai pris de l'espace, et à un moment donné, j'ai toujours la rupture C4, C5, qui pourrait être jouée, peut-être, hein, en préparant ça bien, on verra. Et en attendant, j'ai pris de l'espace à l'aile dame, et je sais pas, je vais continuer, je sais pas ce que j'aurais fait par la suite, sûrement, là, j'aurais peut-être continué par tour 1, cavalier F1, réorganiser mes pièces, et jouer au centre et à l'aile roi. Avec ce petit avantage à l'aile dame. Et puis j'aurais pu aussi jouer tour C1 et commencer aussi à la pousser C4. Voilà. Mais donc sur B4,
Il a réfléchi aussi, sa première réflexion de quelques minutes, 5 minutes. Et il m'a sorti un coup qui était un peu bizarre, j'ai trouvé, H6. Première chose, je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut faire. Logiquement, ce qu'il veut faire, c'est contrôler G5 et donc peut-être forcer quelques échanges de pièces avec fou G5. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un plan très correct. Hein. J'aurais peut-être dû le laisser faire, selon l'adage qui dit que quand votre adversaire est en train d'avoir un mauvais plan, bah surtout ne l'empêchez pas de jouer ce plan. Comment ça aurait pu se poursuivre? Alors imaginons A4 peut-être pour que je poursuive à l'aile dame. Fou G5, là j'aurais sûrement pris la paire de fous, logique. H prend G. Et là évidemment il a ouvert la colonne H. Mais pour l'instant il ne va pas organiser de batterie avec sa dame. Peut-être qu'il aura du dame F6, mais il faudra qu'il bouge son cavalier pour jouer dame H6. Clairement, je ne vois pas encore trop ce qu'il va faire. Et puis j'ai toujours des options peut-être de pousser F4 aussi, au moment donné. Bon là, bon, peut-être pas, hein, je sais pas, mais de faire un peu sauter sa position, peut-être aussi cavalier F3 pour attaquer par là. Bon, sur quoi il a peut-être G4 quand même. Et cavalier G5, bon, il peut pas jouer F6 à cause de cavalier prend E6. Je sais pas trop. Toujours est-il que en voyant H6, j'ai pas joué A4, j'ai commencé à réfléchir, j'ai eu une idée. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa position, j'ai trouvé. Et effectivement, chaque coup de pion, c'est un affaiblissement d'une case. Donc vous comprenez peut-être de quoi je veux parler. Il y a ce cavalier G6 qui est un petit peu plus bancal. Et j'en ai profité tout de suite. Alors attention, c'est le moment où je ferai du shadowboxing si je pouvais. Et là, j'ai calculé un peu, ça c'était ma grosse réflexion de la partie, 9 minutes, et j'y suis allé, E5. Alors, un coup un peu inattendu peut-être pour lui, parce que le pion est en prise, hein, voilà. Mais c'est pas un sacrifice de pion, en fait, simplement j'ai calculé que ça allait me donner pas mal de jeux, et que je perdais pas un pion, au contraire, je risquais d'en gagner. Je n'ai pas calculé non plus. Et là-dessus, il a pris le pion. Je n'étais pas sûr que ce soit le bon coup. Je me disais, c'est quand même trop dangereux de laisser fou prendre G6. Mais peut-être qu'il va jouer cavalier H4 ou cavalier F8. Alors, cavalier H4, bon, sur quoi j'aurais sûrement échangé. Et là, soit je joue cavalier F3, mais je peux aussi en profiter pour pousser F4. Et avoir à tout moment des idées de jouer F5 et de prendre beaucoup d'espace à l'aile roi. Ça me semblait assez sympa. Son fou H4 est un peu perdu. Ok, bon. Mais c'était intéressant. Et puis cavalier F8, bah, c'est intéressant aussi pour jouer toujours un peu resserré, un peu passif, mais ne pas trop se dévoiler et puis ne pas se faire exploser la position. Parce que ce qui s'est passé après déprendre E5, bah, ça a été un peu... Il s'est fait un peu marcher dessus, je dois dire. Donc j'ai joué fou prend G6, c'était l'idée intermédiaire. Sinon, bah évidemment, le pion serait perdu. Et il a repris le fou. Donc j'avais calculé des coups intermédiaires comme E prend D4. Et là, j'hésitais entre cavalier prend D4. Avec idée F prend G6, cavalier prend E6. Ou idée cavalier prend D4, fou prend D4, F prend G6, fou prend G7. Bon, c'était un peu les idées qu'il y avait. Alors, faut toujours faire gaffe parce qu'il y a du dame D5 qui arrive. Bon. Mais en gros, il me semblait que sur E prend D4, j'avais des possibilités et surtout son aile roi allait devenir vraiment très faible. Et je continue à gagner des pions. Donc, E prend D4, non. D'ailleurs, sur E prend D4, j'avais aussi l'idée fou prend D4. Et sur cavalier prend D4, cavalier prend D4. Et encore une fois, il y a le pion E6 en ligne de mire. Donc là, si F prend G6, cavalier prend E6, dame D5, cavalier F4, parce qu'il faut protéger la case G2. Alors, je sais pas. C'est pas...
Je ne sais pas complètement comment ça se passe. Hein. Je n'étais pas sûr de cette variante. Donc, au pire, bah, j'aurais joué cavalier prend D4. Et là, je pense pas qu'il y ait de. Je pense pas qu'il y ait de problème. Bon, toujours est-il qu'il a joué assez simple. Il jouait très vite. À partir du moment où j'ai joué, où je lui ai balancé quand même E5, d'un coup, à un moment donné, il faut se mettre à réfléchir. Hein. Bah, il a tout enchaîné. Il a joué en 2 minutes, des points E5. Il a repris immédiatement, sans calculer le reste. Bon, peut-être qu'il avait vu que c'était pas terrible. Et donc là, mon idée, alors je pourrais jouer des prends E5, mais ça ne me plaisait pas trop, hein, parce que ce cavalier se retrouve un peu passif à la défense du pion. Non, mon idée c'était B5. Alors j'ai quand même réfléchi encore 8 minutes, là, pendant que lui il jouait tout à tempo quasiment. J'ai beaucoup hésité avec Dame C2. Idée, évidemment, de venir le chatouiller par là. Et s'il joue Roi F7, grosse erreur, je pense, parce qu'après B5, bon, bah, le cavalier bouge. Et il y a cavalier E5 échec qui arrive. Donc Dame C2, bah peut-être. Je sais pas, il aurait pu jouer E prend D4. Enfin bon, j'ai du Dame prend G6 intermédiaire. Ou il aurait pu jouer. Ouais, E prend D4, c'est un peu ce que j'imaginais. Dame prend G6, Roi F8. Et là, peut-être cavalier prend D4, cavalier prend D4. Prend D4, fou F6. Bon, je peux être que mieux dans cette position, mais j'aime pas trop qu'il y ait des échanges de pièces. Donc j'étais pas sûr que ça soit le mieux pour moi quand même. Et puis il a toujours ce fou B7, vraiment sympa. Ça peut être une vraie compensation. Bon. Donc j'étais pas. Je trouvais ça pas trop clair. Finalement, j'ai joué mon idée première, hein, qui était le coup intermédiaire B5. Donc là, il a joué cavalier A5. Si il essaie de partir dans des coups intermédiaires, ça ne marche pas. Après, B prend C6, D prend E3, C prend B7. S'il prend mon cavalier, je pense à tour. S'il fait échec, bah, j'ai une pièce de plus. Ok, donc là sur B5, il était obligé de bouger. Alors, c'était pas mal cavalier A5, en fait, j'y avais pas trop pensé, je pensais plutôt à cavalier B8. Cavalier prend E5, hein, c'était l'idée de virer le cavalier pour pouvoir mettre le mien en E5. Et après Dame D5, je pensais à Dame F3. L'idée, il ne peut pas prendre en B5 à cause de Dame prend B7. Je vous montre. Mais du coup, après B5, cavalier A5, bah, son fou est défendu. Donc je me suis dit, bon, ok. Bon, j'ai réfléchi un petit peu à quoi j'ai réfléchi. Encore à Dame C2. Mais après Dame C2, là, je trouvais juste roque. Il laisse tout en prise et cavalier prend E5. Et en fait, avec son fou en B7, je pense qu'il a une position pas si mal. Et bon, il peut jouer G5 pour pas perdre le pion. Il va peut-être pouvoir jouer Dame D5 à un moment donné. Je pense que je suis pas trop mal. Parce que sa structure est vraiment pourrie, mais c'est le fou B7 et l'attaque sur case blanche qui me faisait un peu peur. Donc le laisser roquer comme ça, j'ai pas trouvé ça terrible. Non. Donc j'ai joué bien. C'était mon idée première de toute façon. Hein. Cavalier prend le 5. Et là, il a joué immédiatement Dame D5. C'est peut-être une erreur. Enfin, la position était. Enfin, c'est sûrement une erreur. La position était déjà assez difficile. Donc là, mon idée première, c'était sur Dame D5, bah, Dame F3. Mais évidemment, sur Dame F3, bah, il peut jouer Dame prend B5 et le fou est défendu. Donc là, Dame F3, c'était pas terrible. Bon. Je vais vous montrer ce que j'ai joué. Parce qu'en fait, quand j'ai joué cavalier prend E5, j'ai vu déjà mon idée. Sur cavalier prend E5, en réfléchissant un petit peu après la partie, on a rapidement regardé. Je lui ai dit, mais bon, je n'ai pas analysé plus que ça, que sûrement roque était le coup le plus intéressant pour lui. Après, ça donne un pion. Cavalier prend G6. Tour F6. Cavalier E5. Et bah, sa structure est pourrie. Ses cases blanches sont faibles autour de son roi. J'ai un pion de plus. Mais j'ai pas de fou de case blanche. Donc, ce n'est pas si clair. Et puis, encore une fois, il a un petit peu de jeu, peut-être. Dame D5, en fait. Et il va peut-être récupérer B5.
il faut que je défende. Cavalier DF3. Et puis ça fait peur, les idées peut-être de tout envoyer sur F3. Peut-être tour à F8. Et en plus, là, il peut même directement récupérer le pion. Donc, c'était intéressant à jouer, je pense. Il fallait sûrement partir là-dedans. Alors, j'étais pas obligé de prendre son pion, puisqu'en finalement, j'avais peut-être d'autres options. Mais, je pense que je suis mieux. Mais disons qu'il a quelques contre-chances. Il a joué Dame D5 très vite, et j'avais prévu... Alors, j'ai prévu ça pas très longtemps avant. Hein. J'ai prévu... Ouais, au moment où je me suis décidé pour Cavalier prendre le 5, là, j'ai vu ma réponse à Dame D5, qui est logique, hein. Menace mat en 1, faut pas se planter, et j'avais Dame G4. Et là, il avait 20 minutes de plus à la pendule que moi, parce que moi j'avais quand même pas mal réfléchi les derniers coups pour être sûr de ne pas me planter dans mes calculs, parce que c'est moi qui faisais entrer la position dans quelque chose d'un peu tactique. Et là, après Dame G4, il a un gros problème. C'est qu'il y a Dame prend G6 qui arrive, échec. Je protège G2. Il peut plus défendre son pion comme ça parce que il y a Dame H5 échec. Et là, ça doit vraiment. Enfin, après, il a toujours les idées de mat, mais bon, ça a pas l'air terrible quand même. Roi D8, seul coup, sinon c'est mat. Et là, faut voir. Hein, je peux jouer tout simplement. Je peux peut-être jouer F3. Puis il y a cavalier F7 échec qui arrive, il y a C4 qui arrive, la dame n'a plus beaucoup de cases. Bon, c'est très difficile. Donc G4, coup joué. Si il fait grand roque, là j'avais l'idée C4, hein, on enferme quasiment la dame. Dame D6, et je pensais cavalier E4. Fou prend obligé, puisque la dame a quasiment plus de cases. Quoique, il y a quelques cases. Là, je menace mat, il faut qu'il joue peut-être, je menace mat en A8, il faut peut-être qu'il joue roi B8, et à ce moment-là, cavalier F7, la fourchette, je gagne une qualité. Il y a ses pions et ses pions qui sont faibles. Bon, je pense que ça doit être gagnant. Après, faut encore convertir, mais c'est sûr que j'étais très 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 content. S'il joue petit roque, bah pareil, C4, hein. Et sa dame a très peu de cases. Il va plus avoir de menace de mat. Bon, je sais pas, moi, dame D8, cavalier prend G6. Oui, d'ailleurs, non, plutôt dame D6, parce qu'il faut protéger le pion. Ça a l'air vraiment très fort. Bah, j'ai ça. Peut-être des idées d'échanger et de jouer fou prend H6. Ça se passe vraiment très bien. Et sinon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Il n'y a pas des masses d'idées. Et là, il avait donc une grosse avance à la pendule. Il n'avait pas trop réfléchi sur tous les derniers coups. Comme si de rien n'était. Et là, il se rend compte que ça commence à être dur. Donc, surtout, faut pas faire ça. Hein. Faut pas réfléchir quand on commence à être perdu. Faut réfléchir avant. Là, il a réfléchi combien? 26 minutes, quand même. Bonne réflexion. Et il a pris une décision sûrement pas la meilleure, ni en pratique, ni objectivement, mais bon, je comprends qu'il se sentait vraiment foutu dans toutes les variantes. Je ne sais pas exactement ce qu'il a calculé, mais je vous ai montré quelques exemples. Et au bout de 26 minutes, il m'a joué Dame prend G2 échec. Alors, bon, heureusement, il y a la dame, c'est pas mat. Il sacrifie donc une pièce. Roi prend G2. Je vais mettre en principal. Et il veut jouer cette finale où il a quoi? Un pion pour la pièce. C'est quand même pas terrible. Hein. C'est pas terrible, moi j'y croyais pas. Bon, après, il faut encore convertir, hein, donc je me suis mis un petit peu à réfléchir là. Bon, il a joué G5 rapidement. Là, je me suis mis un petit peu à réfléchir pour pas faire n'importe quoi. Je sais pas, hein, là tout de suite, je vois pas d'idée pour lui, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc j'ai commencé, il y a plein de manières de convertir, chacun son style. Moi j'ai joué cavalier G6, je vais vous montrer ça assez vite, donc tour G8. F4, alors j'échange son pion doublé, mais c'est pour ouvrir ma position. Je pense que j'ai pas seulement une pièce de plus, mais j'ai aussi des pièces beaucoup plus actives, notamment il faut regarder son cavalier en A5, il faut regarder ses tours. Ok, donc il a échangé, j'ai repris du fou,
Je mets son pion C7. Il joue fou D6. Alors, bon, j'ai joué tour à E1. Évidemment, je peux échanger. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu échanger avec mon cavalier avant. J'aurais pu en profiter. Mais là, c'est vrai que je joue la colonne. Il peut avoir un peu de pression sur le pion seul. C'est rien du tout. Hein. Je suis toujours complètement gagnant. Mais j'ai pas envie de lui laisser ça. Tour à E1, c'est moi qui mets la pression sur son pion. Il a défendu par roi D7. Et là, j'ai vu que fou prend D6 était très bon. Donc, j'y suis allé. Il a joué C prend D6. Donc, sur roi prend D6, j'avais pensé roi, tour F7. Je coupe le roi, je menace des trucs comme tour E7. Et en fait, je crois qu'il y a un plan imparable. C'est tour E5 et cavalier E4 mat. Par exemple, il peut jouer, il peut tenter roi D5. En fait, il y a tour E5 échec. Le roi repart. Et cavalier E4, c'est le mat au milieu de l'échiquier. C'était joli. Ok, donc il a joué très vite. Je ne sais même pas s'il a calculé ça, mais il a joué très vite. C'est prendre D6, qui était pas mat, mais presque encore plus simple. J'ai joué tour F7 échec. Imaginons qu'il joue roi E8, bah, j'avais tour E7 échec. Roi D8. Tour prend E6, et s'il veut essayer d'activer sa tour comme ça, bah, il se fait mater en fait. Donc il va encore perdre d'autres pions, j'ai les tours en 7ème rangée. Il y a sûrement des réseaux de maths, là j'ai même pas vérifié, mais bon, ça va pas tenir très longtemps. Et après, après tour F7 échec, il abandonne, il me serre la main. Et voilà, un premier point empoché assez facilement. Ça a duré 2 heures, la partie, alors que bon, les parties, normalement, ça dure entre 3 et 4 heures. Donc, bah, très content de ce début de tournoi. Après, évidemment, c'était juste un tour de chauffe. Mais bon, j'ai joué quelques coups qui étaient pas mal. J'ai un peu calculé, je me suis un peu chauffé. Bon, je pense que c'est une bonne partie. Après, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose pour la suite. Il y a des tournois très bons qui commencent par des mauvaises parties. Là, c'est un tournoi qui commence par une bonne partie. Je préfère quand même ça. On verra demain. Ça risque d'être un adversaire beaucoup plus fort. Notamment, il est possible que je sois l'outsider de la partie de demain. On verra bien. Et il se peut même que ça soit retransmis en direct. On verra si je vais jusqu'à vous donner le lien. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. C'est tout pour cette première ronde, cette première vidéo de ce tournoi. Je ne sais pas d'ailleurs si je ferai les vidéos pour la suite du tournoi. Hein, ça dépend un peu de comment ça se passe. Et quelle énergie j'aurai à la fin des parties. Demain en plus c'est double ronde, donc on verra bien. En attendant, à très bientôt. Ah oui, j'oubliais un truc, je voulais bah, faire un peu toujours sur le modèle de Joachim Muhammad, Road to GM, enfin la Road to Banquignol. On va lancer de l'analyse de partie. Alors c'est pas le rapport chess.com parce que j'ai pas de compte chess.com premium. Mais on va dans l'analyse, demande l'analyse, ok, et on va voir ce que dit Lichess de la ligne principale. Alors, j'ai pas du tout regardé, j'en ai aucune idée. Je vous ai juste dit ce que j'ai vu pendant la partie. Bon, alors ça n'a pas l'air d'avoir été une partie parfaite, il y a quelques imprécisions de mon côté. Est-ce que vous voyez ça? 3 imprécisions, 1 erreur, et lui, 5 imprécisions, 2 erreurs, 1 gaffe. Allez, on se repasse la partie rapidement, voir ce qui se dit. Bon, B6, évidemment, pas terrible. Bon, là, d'ailleurs, on peut mettre un peu la théorie. Ah, il n'y a plus de théorie, déjà. C3, c'est logique. E6, c'est logique. Cavalier F3, c'est pour le coup. Et voilà. Cavalier C6, c'est le coup un peu bizarre, un peu chelou. Normalement, effectivement, c'est C5. C5, C3, là, c'est normal. On a un peu de pression sur le centre blanc. Sûr qu'après cavalier C6, bah, c'était, j'étais un peu dans un fauteuil. Okay. Donc C3, le coup le plus joué, cavalier GE7, ok. Il y a un GM qui joue comme ça, visiblement, anti-pof. Rock. Et G6, bon. D6. Le GM avait joué D6. Ok, intéressant. C'était un peu le même état d'esprit. C'est plus 1,7 l'évaluation. Je ne sais pas si vous la voyez, mais bon, ça joue, hein, la partie n'est pas finie. Tout reste à faire. Fou E3, alors, ok, je peux peut-être mettre... bon, non, pour l'instant, c'est des coups normaux. D6, cavalier D2, fou E7, et là, B4, inaccuracy,
L'imprécision. Alors, effectivement, G3, bon, bon, c'est une idée que j'ai eue, alors j'en ai pas parlé dans mon analyse, c'était une analyse rapide, mais G3 pour pouvoir jouer H4, roi G2, tour H1, un peu comme dans une française. Le problème, c'est que j'aimais pas trop cette idée, parce que le centre n'est pas fermé, il n'y a pas de pion en D5, vous voyez. Si le centre s'était fermé comme ça irait, mais là, le fou, ça me fait toujours un petit peu peur, bon, même si je contrôle bien le pont de cadre. Bon, voilà, donc visiblement, c'était le meilleur coup. Bon. Après, B4, ça me paraît être un bon coup, puisque ça me garde un petit avantage quand même, de plus 1. H6, ok, et là, ok, E5, mon super coup, bah, c'était une imprécision. Il fallait jouer cavalier E1, alors ça, mes aïeux. Cavalier, je vois pas l'idée. Non, je suis perdu. Cavalier E1. Bon, je sais pas si voilà, ça va pouvoir marcher. Ok, cavalier E1. C'est quoi l'idée? Je menace quelque chose? Je vois pas trop. Et là, il dit E5, D5. Et sur fou G5? Peut-être F4 en fait, oui. Ah, c'est sûrement ça l'idée. Ouais, ok. Ok, c'était pour anticiper fou G5. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon. Ok, bah c'était pas du tout mon idée. Non, moi j'étais très content de ce coup. Et là, ah, donc c'est D prend E5 qu'il a joué en 2 minutes. Hein, qui était une faute. Visiblement, il fallait roquer. Bon, j'avais même pas analysé ça, je dois dire. Bah, il se fait un peu défoncer le roque, mais c'est vrai que bah, ça ouvre sa tour, son roi est plutôt en sécurité, j'ai plus de raison, c'est pas con. Pas con. Ouais, non, c'est vrai. Effectivement, bon, j'ai été peut-être un peu léger là-dessus. Plus 0,6, je perds un peu d'argent. Enfin bon, ça restait correct, je pense quand même. Qu'est-ce qui se passe sur roque? Il dit B5. Ok, et donc, fou G6, F G6, c'est quoi l'évaluation? C'est peut-être quasiment mieux pour lui, en fait, avec son super fou de case blanche. Effectivement, un temps qu'il n'a pas joué D5, c'est pas la même. Hein. On n'est pas dans une française, Pavlo. Ouais. Bon, j'ai pas l'évaluation, trop lent. Tant pis, mais ouais, visiblement, c'était pas une très bonne idée. Ok. Et là, il prend, et effectivement, il tombe dans mon piège, mais fou prend G6. Alors, ok, ouais, c'est vrai que B5, j'ai aussi analysé un peu ce coup en intermédiaire. Ok, alors fou prend G6, évidemment, c'était le bon coup. Et fou prend G6, ça n'allait pas. Bah, décidément. Hein, j'ai hésité longuement, et donc il me dit que E prend D4. Et que j'avais quasiment pas d'avantage, plus 0,3. Bon, l'évaluation marche pas trop. Je vais l'enlever. Et là, après F prend G6, là, je rentre dans ma variante. Mais en fait, c'est un mauvais ordre de coup. J'avais plutôt la bonne idée. Enfin, la bonne idée, évidemment, s'il acceptait le pion en E5. Mais visiblement, il fallait jouer B5 d'abord. J'aimais pas trop. Je sais plus trop pourquoi. Et là, après cavalier A5, cavalier prend E5. Dame D5, le blunder. Et effectivement, roque, c'était le mieux. Bon, là, cette variante, je sais pas si c'était la bonne, mais. Et j'avais juste un avantage. Bah oui, c'est logique, puisque je vais gagner un pion, mais c'est pas fini. Et puis son roi est plus ou moins à l'abri. Et là, après Dame D5, ok, Dame G4, je crois que c'était le bon coup. Donc là, il propose effectivement G5 parce qu'après Dame H5 échec, en David, bon bah il menace mat et donc il faut que je défende le mat et finalement il s'en sort plus ou moins. Enfin bon, je suis à plus 4 hein. Après Dame G4, je suis à plus 4. Dame prend G2, voilà. Bon, la fin de la partie se passe un peu de commentaires. C'était une erreur, ça résistait pas très bien en fait. Dame prend G2, il a pensé que c'était une manière de résister, mais pas du tout. Et voilà. Donc mes imprécisions, c'est ah, petit roque, bizarre. Ouais, petit roque, c'est un peu abusé, hein.
B4, donc bon, mais B4 ça allait encore. Et par contre, E5, effectivement, c'était le coup phare de la partie, bah, qui était une imprécision. Bon, bah, c'est une bonne leçon, faut pas. Voilà. Et l'erreur, fou prend G6. Mauvais ordre de coup. Il fallait jouer B5 d'abord. Et après cavalier A5, fou prend G6. Ouais, en fait, c'est vrai que ça a l'air plus simple. Ça enlève. Ah, mais il y a peut-être ça quand même. Il va peut-être te prendre D4 à ce moment-là. Je sais pas, j'ai du mal à voir la différence. Ok. Bref, donc c'est fini pour cette première partie. À bientôt tout le monde. Ciao.